Ok, yo les gars, c'est bien pour Sunt. On se retrouve pour l'épisode 35 de l'aventure sur Bloxfruit. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis direct, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous direct les gars. Et likez aussi. Et rejoignez le Discord en description. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Très simple. On va tout simplement enlever ce fruit là. Ce fruit catastrophique. Vraiment, il est catastrophique. Regardez-moi ça. C'est des attaques. Vraiment. Attendez, regarde des petits tests, petits showcase en vite fait. Vous comprendrez pourquoi je veux l'enlever. Et j'ai la flemme de la wak. Je préfère garder mes fragments pour awak le fruit de l'eau. Il y aura le rework. Hop, je vais vous montrer ça. Hop, le deuxième skill. Le premier, on fait ça dans un ordre aléatoire, c'est pas grave. Le troisième, plus t'es loin, plus ça fait des dégâts. Regardez, hop, un petit viseur de sniper comme ceci. Donc le fruit, en vrai, il est bien quand tu commences. Comment parler des AOE quoi? Ce fruit n'a pas d'AOE. Après, c'est que la V1. Ça se trouve, la V2 est exceptionnelle, mais j'ai la flemme, les gars. Je préfère économiser. Donc vous l'aurez compris, un abonné m'a offert un fruit. Vous savez lequel c'est déjà. Du coup, c'est parfait pour commencer l'aventure au troisième monde, les gars. Ok, c'est parti avant d'aller C3 et de manger léopard. On va voir ce qu'il y a en boutique. Alors, ok, flame, nanana, nanana, nanana. Il n'y a rien du tout à part mon fruit. Et il y a magma, ok. Et le petit random. Ok, j'ai 4 millions d'argent aussi, hein. J'ai beaucoup d'argent par rapport à la vidéo en farm. Ok, smoke. C'est parti, emmène-moi. Les gars, vous l'avez beaucoup demandé en commentaire. Tous les commentaires, c'était ça. Donc là, vous allez être contents, les gars. Vous allez être très contents, même. Et même moi, je suis assez content de passer d'un fruit éclaté comme ça à un fruit de fou, un zoan de fou. Ok, c'est parti, les gars. En même temps, on va pouvoir comparer avec le dragon. Allez, c'est parti. Confirmé ou pas, les gars? Confirmé ou pas? Bien sûr. Let's go. Enfin. Ok, ok. Première attaque. Il me semble que je l'ai déjà vu. C'est une rafale de... Oh non, mon expérience, elle est gâchée. Ça a bugué. Franchement, les dégâts sont là. Hein. 4 minutes de dégâts quasiment. Oh là là, c'est... Oh, mais ça me propulse. Là, je peux venir celui-là. Ah ouais. C'est une rafale de Shigan, en fait. Shigan. De Index Gun, si vous préférez. Donc, c'est vraiment la dernière... Le Shigan de feu qui fait là, les dégâts. Sinon, les petits Shigan simples font des dégâts aussi, mais c'est pas le meilleur truc. Oh là là, la master. Oh loulou. Si on est 3ème 6, ça va être assez easy pour farm tous les... Hop, c'est parti. Ringling Kick. Ok, donc les attaques se chargent pas totalement vu que c'est la première fois que je l'utilise. Ok, c'est parti, on va le faire sur lui. Il est assez loin, on va avoir la range en même temps. Prépare le coup, comme ça on allait donner un tir de Blue Lock là. Let's go. Ok, les dégâts sont moins hauts que la première. Ça va être complexe à viser par contre ça. Somme ça, on touche plusieurs normalement. Hop. Oui, ça en touche plusieurs, ok. Mais celui-là, il est quand même exceptionnel. Hein. Le premier, c'est le meilleur. Clairement. Le troisième, ok, parfait, sans pile. Oh les gars, mais faites plus de Zoan, Bloxfruit, il a l'air incroyable, le fruit, c'est trop. After Image Assault. Oula. Attendez. Ok, c'est parti, on va retester. Ne bouge surtout pas, on va voir les dégâts. Bam, bam, bam. 3600, ok. Normalement, ça doit en toucher plusieurs, je pense. Attendez, mais il y a 20 000 combos à faire. Il reste en l'air, comme ça. Bam, 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 bam. Oh, ça doit être tellement facile de toucher les mobs avec. Et pas content. Hop, je prends un petit Shigan explosif. Oh là 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 là. Vous avez vu les effets quand même? Ah oui! Ça en touche plusieurs. Non, c'est trop satisfaisant. C'est la meilleure attaque, la troisième. Hein. Bam, 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 bam. Attendez, attendez, j'ai une idée de combo là. Ok, c'est parti. En gros, je fais ça. Le mec, il est dans le ciel. Vas-y, mais non, mais let's go quoi! Mais vraiment! Ok, c'est parti. Donc, je disais, le X. Hop, il est en l'air comme ça. Tu le reprends comme ça avec le lasso. Oh! On va s'entendre, on va s'entendre. On va s'entendre. Il y a déjà plus de moves que dragon. Et l'assaut. Oh là là, mais regardez-moi les dégâts. Oh là là, c'est la meilleure attaque. Ok, donc normalement sur ces grandes îles, il doit avoir des boss de fou. Je sais qu'il y a... Attendez, mais j'avance super lentement. Du coup, je peux me déplacer comme ça. Ouais, let's go. Grave des moyens de déplacement en plus. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus de fly. Aïe, 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 ça va peut-être investir dans un bateau. Peut-être essayer de se poser sur ce bateau parce qu'on a plus trop de stamina là. Léopard avec Mink. Mink V4. Oh là là, la vitesse. Je pense que c'est la meilleure race pour Léopard en vrai. Dites-moi en commentaire. En plus, on passe à côté du château de Ripindra. Je sais pas quand est-ce qu'il spawn, mais j'aimerais bien le faire aussi. Vous m'avez dit de le faire. Vous m'avez dit de faire Katakuri. Vous m'avez dit de faire plein de trucs. Je sais pas si je peux le faire maintenant. En vrai, la race V4. Bon, laisse-moi coster par pitié. Bon, laisse-moi prendre ton bateau, toi. Oh, let's go, le Sully. L'île de Wall Cake Island. Elle est incroyable, l'île. Elle est trop belle, en vrai. Oh, la C1, c'est insane. On va y aller. On va la tabasser, clairement. Oh oui, enfin, la grosse maman. Enfin, vite. Allez, 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 on part.
Oh là là, ça bug serveur. Waouh! Mais comment ça? Mais c'est quoi ça? Laissez-moi tabasser Big Mom, s'il vous plaît, par pitié, vraiment. Allez, oh, elle est gigantesque! Ah, mais j'avais dit, il n'y avait pas de boss qui faisait pas la taille humaine. Et là, allez, elle fait. Oh, elle fait deux fois ma taille! La chance, elle a le haki bleu, tout ça, non? Allez, 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 allez! Oh, ça bug, non! On est où là? On est où? Allez, assaut! Elle fait v'là mal, hein. Bam, je t'envoie un petit Shigan enflammé. La première Big Mom. Allez, j'espère que je ne pas un truc. Et tu es là, par pitié, vous faites quoi? Ah, ça veut monter ses armes, ok. Je comprends mieux maintenant. Oh, let's go, la mastery. On va voir combien de mastery je gagne. Mon dieu, incroyable. Quel plaisir, bientôt la quatrième attaque. Ah, mais attendez, je suis en train de réfléchir, mais ça se trouve, le truc qu'il y avait écrit à l'écran tout à l'heure, c'était que parce qu'il y avait Katakuri. Ah, ok, je crois que c'est là, Katakuri. Bon, je sais pas comment ça s'active, mais on verra bien. Oh, j'entends du bruit. Let's go! Elle est super dure à trouver, hein. On finit là-dessus. Let's go! La dernière attaque, par pitié! Oui, let's go! C'est parti, on va tester sur le gars, là. Je pense que je vais me faire démolir. Ok, donc il y a des Ice Cream Chef de ville 2000. Oh là là, de ville 2000. Ok, c'est parti. OG Flicker. Oh, dur! Oh, coup de pied comme ça. Oh, l'effet était incroyable, par contre, là. Attendez, OG Flicker, ça touche plusieurs ou pas? Oui, ça en touche plusieurs. C'est magnifique. Que demander de plus? En fait, c'est pas totalement comme le Conqueror Gun, en fait. Ça fait des petits zigzags, regardez. Gros coup de pied, non, celle-là elle est trop bien. Incroyable, par contre les dégâts sont un petit peu bas. Mais en même temps c'est logique. Je pense qu'on a affaire au fruit le plus fun. Dites-moi en commentaire les gars si vous pensez que c'est le fruit le plus fun. Et c'est bien parti pour... Avec Mink, non ça donne trop envie d'avoir Mink hein. Non, les combos ils sont amazing. Carrément ça sort en anglais, trop relou. Le studio des mots ils sortaient en anglais, trop relou. J'espère que vous êtes prêts pour le dernier move. Transformation. Était mute, donc je vous reprends ici les gars. À partir de ce moment là j'ai décidé de faire Jack, vu que Big Mom prenait grave son temps à spawn. J'ai fait tous les serveurs de la terre, elle était pas dans les serveurs, du coup je me suis mis à faire Jack. Et bah il était très simple Jack en vrai hein, franchement. Vraiment demandé, mais pourquoi il n'y a pas de fruit du mammouth quoi. King Legacy là et Blox Fruit là pas, alors qu'il y a un boss Jack. On est où? Donc à partir de ce moment là on est passé Mastery 300. J'ai vraiment trop le seum de pas pouvoir montrer ma réaction. Et là justement j'avais drop la Buggy Sword. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait que le petit œil qui s'allumait. Ils aiment trop faire ça Blox Fruit quand il y a le haki. Et du coup il ressemble à ça sur le haki. Plutôt bien fait, j'aime bien. Les gars c'est vraiment le moment où j'ai le seum de pas pouvoir montrer ma réaction. Les gars la transformation j'étais choqué déjà, ça fait des dégâts. Et ça garde ma coupe de cheveux. C'est bon, on m'a dit léopard, j'ai commencé à courir partout. J'ai vu que en plus avec cette attaque là on pouvait s'accélérer. Donc là oh, j'étais super content parce que je me suis dit let's go, enfin je vais pouvoir être rapide parce que toute mon aventure c'était super lent. Je voulais juste Ming pour ça. Bon là on est dans la partie showcase, j'ai commencé à tester tous les moves comme un fou. J'ai vu les dégâts, 5000 de dégâts. Non c'était vraiment une dinguerie. Aussi l'impression qu'il était plus stable qu'avant, genre ça bougeait moins, il y avait moins de recul. Tu te vois là le petit test, j'ai vu qu'on pouvait aussi activer le Scapien, bon logique comme le dragon. Deuxième move du coup, le Spiking Kick, et bah il fait plus de dégâts aussi hein, franchement. C'est juste ça en fait la transformation, c'est plus de dégâts et plus de vitesse je pense. Peut-être une petite réduction de dégâts aussi, je sais pas. Troisième move qui lui m'accélère et me rajoute des dégâts, donc ça c'est vraiment un move vraiment utile pour le coup. Bien sûr, avant de finir le Body Flicker, ça reste toujours le même coup de pied mais il fait plus de dégâts, il gagne environ 700 de dégâts. Tous les moves gagnent 700 de dégâts à peu près. Et les M1, et oui. Oh les M1, j'ai trop kiffé. Je me suis dit allez c'est bon, j'ai Bouddha, j'ai commencé à frapper tout ce qui bougeait. J'ai pas de shoot même avec les M1, c'est dinguerie. Les gars, j'allais arrêter la vidéo là, mais en farmant, j'ai découvert que le fruit, c'était le meilleur fruit du jeu. Je comprends pourquoi c'est le meilleur fruit du jeu. Regardez. C'est des places à 40 000 km/h. Je comme des attaques, je des M1 comme ça, bam, dans tous les sens, comme ça, bam. Regarde même pas ce que je fais, ça touche. Et ça se recharge hyper vite, donc c'est cool. Alors vraiment, merci, Nexpluk, hein, vraiment. Oh là, c'est cool.
Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y avait pas eu de son vers la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoindre le Discord, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.